good morning. Today, very happy to welcome Mrs. Catherine Adams, actress and now filmmaker from Canada, Quebec. And also, she has many activities. She will talk to us about it. She's an artist, lawyer, event organizer, many things, and also a launcher of a streaming service. So, good morning, Catherine. Ça va? Ça va? Bonjour, bonjour. Thank you very much for accepting the live. First, before we talk about your professional work, I want you to tell me briefly, how did you get interested into becoming an actress and now a filmmaker and event organizer? The first spark that launched your artistic career. I come from an artistic family, actually. My father was a musician, and most of his family were into the entertaining world. So, and I never ever, I've never envisaged to do anything else. So it was, for me, it was a natural. I started acting at a very young age. I started dancing at a young age, and I never stopped. Being a lawyer was like a second choice, and being a journalist was like a second choice, and then being a lawyer was like a third choice. And I ended up doing all of those things, but always mixing social implication and heart and human rights, actually. So, and the common ground into all of these things is speaking up to make a difference. That's really what I want to do. Great. I want to ask you about Les Acteurs Associés. You founded this agency. It's like a syndicate in Quebec. Yes. What drove you to do so? And what service does the Acteurs Associés provide in Quebec? And also, I want to know from you your perspective about you work as an actor, a journalist, and now a filmmaker. Your perspective about the entertainment and arts status in Montreal and Quebec, this part of Canada. First, Les Acteurs Associés, for a very long time in Quebec, we didn't have no agents. So casting directors would call actors directly. And I'm from that generation, which we did not have agents. We just called and dealt with the casting agents or with the directors directly, as a matter of fact. Eventually, agents started coming into the business. And my husband and I were both actors. We did not want to have an agent because we found that we could do the job ourselves without having to have somebody else interfering for us. So eventually that's how the Acteurs Associés came about. So basically how it works is just that the service we provide is that the actors do get the information about auditions. They get the breakdowns just as agents do. And they do that, they have that for a flat rate instead of for a percentage of every one of the, sur chacun de leurs cachets. Alors en fait, les acteurs reçoivent l'information et pour un tarif fixe, au lieu d'avoir à payer un pourcentage à un agent, ils paient une somme forfaitaire à l'agence qui est acteur associé. Voilà. Et pour la deuxième partie de ta question, Shérif, how is it going in Quebec? I'm switching from French to English. That's how we do it. Pour la deuxième partie de ta question, c'est très effervescent ici à Montréal, au Québec. Les arts, le domaine artistique est très, très en santé. Et l'après-COVID, en fait, a été encore plus fort que ce que c'est normalement. Les gens ont vraiment besoin de retourner voir des spectacles en salle, de voir des films, de se réunir, d'être ensemble pour voir de l'art. Voilà.
Excellent. Mais maintenant, parce que c'est une question qui se connecte beaucoup à Québec, Montréal, qu'en penses-tu maintenant de l'ambiance artistique et la production dans ce parti de Canada, en comparaison avec des autres parties comme Toronto, avec le festival, par exemple, de Toronto, avec Hot Dogs? Qu'en penses-tu? Qu'est-ce qui se passe maintenant, selon vous, à Montréal et à Québec, comme une partie aussi du Canada et comme aussi une partie francophone aussi? Oui, ben voilà. Alors ça, c'est évidemment la distinction du Québec, hein, c'est d'être un pays, en fait, une province francophone. Et donc, on a la chance d'avoir un écosystème où les artistes sont un peu, on n'est pas envahi, en fait, par ni par les Américains, ni par toute la production de langue anglaise. Donc, on a cette chance d'être un peu unique, mais c'est très effervescent, c'est ce que je, tu sais, le Québec est un endroit où on a produit quand même beaucoup de grands artistes et qui s'illustrent un peu partout à travers le monde. Et c'est un peu différent de Toronto, par exemple, ou de Vancouver, où effectivement, on est beaucoup plus confronté à la réalité américaine parce que la langue est similaire. Alors que chez nous, ben, comme la langue est différente, c'est vrai qu'on a moins cette compétition-là. C'est autre chose. D'accord. Et I want to talk right now for you. I've seen you have did many roles, let's say during the last 25 years, between cinema, television, as an actress. And I want to know, what drove you to become a filmmaker. You have a new film, Mixed Memories, and also you appear in it as an actress. But really, when did you feel you would like to step behind the camera? That's it's almost like an accident. It really came during the pandemic. It's my pandemic project, but that turned out to be so fantastic. In 2020, both George Floyd and Joyce Echaquan were killed. Joyce Echaquan was an Indigenous woman from Quebec, and she died in an hospital for a lack of care. Both crimes involve, of course, racism. And it was in 2020, so we were under COVID still, and we couldn't on pouvait pas jouer dans les théâtres, shérif. On n'avait pas le droit de jouer sur les scènes, mais on avait le droit de se réunir dans les salles de répétition. Alors, après D'accord. la mort de George Floyd et de Joyce Echaquan, j'ai décidé de réunir des femmes autochtones, des femmes, des actrices autochtones et afro-descendantes dans une résidence de création. Et ça a donné un premier texte de théâtre. Et on a fait la lecture de ce texte de théâtre avec nos histoires. Et ensuite, ben, ces histoires-là se sont transposées dans un film qui, au départ, je ne voulais pas réaliser. Je voulais simplement jouer parce que, bon, c'est aussi mon histoire, cette histoire de métissage. Et finalement, ben, j'ai eu un mentor qui s'appelle Yves Simoneau qui me disait toujours, c'est toi qui dois le faire. Et petit à petit, ben, je me suis pris au jeu et j'ai adoré réaliser ce film-là, qui maintenant s'en va vivre sa vie dans les festivals, idéalement. Ça s'appelle Mémoire métissée, Mixed Memories, et ça raconte l'histoire de trois femmes métissées, autochtones et afro-descendantes. Excellent. Moi, je regarde, tu as lancé un web TV, aussi s'appelle Goodness TV, n'est-ce pas? Oui. Raconte-moi, on peut le regarder chez vous à Canada ou c'est une application, on peut le télécharger sur Google, par exemple, ou Apple. C'est un site web, c'est un média, c'est un média de nouvelles.
C'est un média de nouvelles positives et donc de toutes les nouvelles qui ont un impact positif sur la planète. Ça s'appelle Global Goodness. C'est, on peut le voir n'importe où dans le monde, en fait, globalgoodness.com. Et il y a là-dessus des histoires inspirantes dans tous les domaines de l'activité humaine et aussi, évidemment, des activités qui sont artistiques. Alors, on a une panoplie, on couvre une panoplie d'événements. La seule condition, c'est que ça a un impact positif pour les êtres humains et pour la planète. D'accord. Et raconte-moi, est-ce que tu as, durant ta carrière maintenant artistique, rencontré des challenges, des difficultés et comment tu as pu résoudre ces difficultés, soit artistiques, difficultés de créativité, par exemple? C'est pas une carrière artistique sans défi, sans challenge, comme tu dis. Ça n'existe pas parce que la créativité, c'est volatile, parce que la créativité, c'est partout, mais en même temps, c'est nulle part. C'est à l'intérieur de nous et c'est à l'extérieur de nous. Ma réponse à moi, ça a toujours été de me réinventer dans quelque chose et donc de garder toujours les portes ouvertes pour toutes sortes de choses. Quand j'ai commencé très jeune, moi, à jouer. J'ai commencé enfant, en fait, à jouer. Et ensuite, je suis allée à l'école, je me suis formée davantage, j'ai une maîtrise en théâtre. Et à un certain moment donné, je me suis mariée, j'étais enceinte. Et là, j'avais une limite parce que je ne pouvais pas jouer, en tout cas, bref. Et pendant cette période-là, je suis allée faire mon droit. Le droit m'a amenée à faire beaucoup, beaucoup du travail de création pour des impacts humanitaires. Donc, j'ai créé des tribunaux pour des événements. J'ai organisé des grands événements aussi. J'ai toujours eu ce souci de réunir les arts et l'impact social. Et donc, à chaque fois, ma réponse à moi aux difficultés, c'est d'inventer quelque chose, de me réinventer ou d'inventer un projet. Alors, ça a été de me réinventer comme avocate à l'international, ça a été de me réinventer comme organisatrice d'événements d'envergure qui avaient un impact, ça a été quand on a voulu m'imposer d'avoir des agents, d'inventer acteurs associés, ça a été quand j'ai organisé le sommet du millénaire, par exemple, sur les objectifs du millénaire, de dire, il y a beaucoup de choses qui se passent qui sont positifs, mais on n'en entend pas parler. Alors, on a fondé Global Goodness. Je voulais parler de métissage parce que c'est ma situation. Mon père est noir, ma mère est blanche, mais moi, je suis ce qu'on appelle white appearing. Et donc, c'était un sujet dont je voulais parler, dont je voulais traiter. La mort de George Floyd et de Joyce Echaquan ont fait en sorte que ça m'a forcé à me positionner encore plus. Et donc, c'est comme ça qu'est née Mémoire métissée. Donc, ma réponse à moi au défi d'une carrière artistique qui est quand même assez longue dans mon cas et qui va continuer, je l'espère, longtemps, c'est d'inventer. C'est de me réinventer ou d'inventer un projet, d'inventer quelque chose de nouveau. D'accord. Now, Catherine, I see you have, besides your acting, you collaborated in many projects and you met very leading figures around the world. I see that you collaborated with Al Gore and also Costa Gavras. I remember I met Costa Gavras. You know, for us Egyptian and Greek and Italian, we have this Mediterranean connection. And I remember meeting him in Cannes Festival while taking a walk. And of course, his movies are very loved in Egypt and Cairo Festival. And he's been there several times. But tell me, what did you feel about collaborating with both of them, Al Gore and Costa Gavras? Well, it's two different collaboration. With Al Gore, it was
actually Al Gore, after the film An Inconvenient Truth, had decided that he couldn't give his conference all over the world because there's only one of them. And so he decided to train people, some selected people, to be able to give his conference. And I was one of them. So I was trained by him to be able to give the conference An Inconvenient Truth, which I did a couple of times, and then life goes on and I don't have time to do that much about it. Costa Gavras, on the other hand, I directed a ceremony called Les Trophées Francophones du Cinéma, which is a ceremony that honors filmmakers from all over la francophonie, donc d'Afrique et de partout dans la francophonie, du Québec, de la France aussi. Et Costa Gavras était à ce moment-là président d'honneur de cette cérémonie. En fait, il l'est toujours, si je ne m'abuse. Et moi, j'ai fait la mise en scène de la cérémonie de remise des trophées. Et donc, j'ai travaillé avec Costa dans ce sens-là. Mais j'ai eu le bonheur et la chance de rencontrer quand même plusieurs prix Nobel de la paix à travers l'organisation des événements, dont Desmond Tutu, dont Shirin Ebadi, Al Gore, bien sûr. Voilà. Donc, c'est toujours à travers les arts et la volonté d'avoir un impact que j'ai pu côtoyer des gens qui m'ont amené beaucoup à ce niveau-là. Excellent. Finalement, je veux savoir si tu as des projets ou des buts que tu veux réaliser au futur dans tes différents domaines où tu travailles. Ah, ben, plein de projets. Écoute, les acteurs associés ont maintenant une antenne en France. Donc, on a un bureau maintenant. Les acteurs associés existent en France comme au Québec. Alors, j'aimerais développer cette branche-là. Global Goodness a aussi des projets d'expansion, etc. Moi, personnellement, comme actrice, je veux des beaux rôles. je pense que j'ai envie de jouer au théâtre, mais aussi envie de réaliser un nouveau film. Alors, je suis en écriture en ce moment pour un prochain, mais mon gros projet en ce moment, c'est de pousser Mémoire métissée dans les différents festivals. Excellent. Catherine, je te remercie infiniment pour l'entretien. Je te souhaite tout le succès pour ta carrière comme actrice et pour l'agence Acteur Associé, comme réalisatrice aussi. Et bonne chance pour la sélection du film Mixed autour du monde. Bon courage dans ton. Et j'espère qu'on peut rencontrer prochainement dans un événement artistique au futur. OK? J'espère aussi. Merci beaucoup, chérie, d'avoir pris le temps. Merci, Catherine. Et bonne journée et bonne fin de semaine aussi. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.